Bonjour à tous, c'est Céline de chez iPièce. Dans cette vidéo, nous allons remplacer un interrupteur sur une tondeuse Bosch. Je vais travailler sur un modèle de la série Rota 40, mais la réparation sera la même sur la plupart des modèles de chez Bosch. Nous allons commencer par dévisser le boîtier qui contient l'interrupteur en retirant la vis supérieure et la vis inférieure. Attention de bien avoir débranché votre appareil avant de commencer votre réparation. Et voici le boîtier qui contient l'interrupteur, l'interrupteur se trouvant ici. Je vais dégager les câbles, celui-ci en premier, puis sortir l'interrupteur. Vous pouvez aussi sortir le compartiment à l'intérieur, comme ceci. Et pour avoir accès à la réparation, je vais pousser sur le câble, comme ceci. Pour avoir un peu plus d'espace pour travailler. Pour dégager les fils qui sont maintenus par une languette métallique à l'intérieur du boîtier, je vais devoir donc déconnecter le boîtier qui va s'ouvrir en deux parties. Il est maintenu par ces clips ici en plastique, un sur le côté, deux derrière et un de l'autre côté. Donc à l'aide d'un tournevis à tête plate, je vais ouvrir le boîtier de l'interrupteur en lui-même. Comme ceci. Ne vous inquiétez pas d'endommager l'interrupteur puisque nous le remplaçons de toute façon. Et nous allons devoir retirer cette partie ici qui est maintenue par les languettes dont je vous parlais ici. Donc à l'aide d'un tournevis inséré derrière la languette, inclinez votre tournevis pour ouvrir la fente. Comme ceci, de l'autre côté de même. Et je vais pouvoir dégager maintenant les fils qui sont maintenus de la même manière. Donc insérez votre tournevis, créez une ouverture. Et sortez les fils. Voilà, je vais transférer les fils directement sur le nouvel interrupteur. Donc, laissez ça de côté une minute. Voici le nouvel interrupteur. Assurez-vous que l'orientation soit la même pour rebrancher les fils. Vous voyez ici, la forme correspond et il y a un petit bouton noir sur le bas. Donc, c'est bien la bonne direction. Et tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de pousser les connexions dans le nouvel interrupteur. Vous voyez que le fil bleu est le plus près du bouton, donc je vais l'insérer d'abord dans le petit trou, pousser, puis tirez-le un peu vers vous pour qu'il soit bien mis en place et sécurisé. Et la même chose avec le marron, enfoncez-le, puis tirez-le vers vous pour vous assurer qu'il soit bien bloqué. Je vais maintenant retirer les deux câbles de l'autre côté et les insérer de la même manière sur mon nouvel interrupteur. Insérez les fils de l'autre côté, donc le bleu est le plus près du bouton d'interruption. Enfoncez-le et tirez-le vers vous. Et de même pour le marron. Voilà, mon interrupteur est prêt à être installé. Pour replacer l'interrupteur, je vais tirer sur le câble pour le ramener à l'intérieur du boîtier. Et vous voyez la direction du fil qui était déjà imprimée dans le plastique. Donc, essayez de retrouver la même position, comme ceci. Puis, apportez le compartiment qui contient l'interrupteur. Insérez-le en faisant attention
de ne pas attraper cette partie ici. Il existe une ouverture ici qui va faire passer le câble, donc je vais le faire passer dans cette ouverture. Donc tirez sur le câble pour amener l'interrupteur vers l'intérieur du boîtier. Vous voyez la courbe du plastique qui vous indique comment positionner votre interrupteur et votre câble. Voici. Puis, amenez le boîtier qui contient l'interrupteur en lui-même. Et vous allez faire passer le câble dans cette ouverture ici. Puis poussez le boîtier vers l'intérieur, comme ceci. Maintenant, insérez votre interrupteur dans l'ouverture en faisant attention de ne pas endommager le condensateur ici. Donc faites-le passer doucement. Et le câble ici, encore une fois, savez-vous des courbes qui existent déjà pour vous montrer comment rentrer le fil de ce côté. Et voilà, votre interrupteur est maintenant dans son boîtier. Nous allons maintenant refermer le boîtier extérieur. En le revissant. Et voilà comment remplacer un interrupteur sur une tondeuse de chez Bosch. N'oubliez pas que toutes les pièces détachées pour tondeuse, appareils électroménagers et tous vos appareils de jardinage sont disponibles sur notre site internet ipièces.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez ipièces.